Ah, salut tout le monde, bienvenue à un plaisir de ski un peu spécial parce qu'aujourd'hui, on va vous faire la démonstration d'un des outils qu'on a peut-être le plus besoin pour avoir du plaisir dans les Basses-Laurentides puis dans le Québec peut-être de l'Est, c'est d'avoir une paire de skis de slalom. Et aujourd'hui, on va avoir un invité spécial qui s'appelle Vincent Laplante, qui est quelqu'un qui s'est procuré la même affaire que moi, un Race Tiger Devil Cool SL13. Puis ensemble, on va lui permettre d'apprivoiser les skis de slalom. Pourquoi je dis que ça prend absolument un ski de slalom quand on vit autour de Montréal? Notre situation géographique est particulière parce qu'à chaque année, s'il neige, quand il fait froid, on a une magnifique neige à skier comme en ce moment. On a été chanceux cette année. Il n'y a pas encore eu trop de pluie. Mais à un moment donné, il y a un système qui va arriver du sud des États-Unis puis qui va pleuvoir, il va tomber 30 mm de pluie, au lieu d'avoir 30 cm, on a 30 mm de pluie. Puis le lendemain, il fait tout le temps front froid, puis il fait tout le temps moins 30, puis là, on se retrouve sur une patinoire de hockey. Et dans ce temps-là, les skis qui sont moins performants ou qui sont moins étroits sous la botte vont être moins agréables. Alors moi, vous savez, je suis tout le temps en amour avec mes mantras. Pour moi, j'adore mes mantras, mais la raison pourquoi j'adore mes mantras, c'est parce que j'ai dans mon sac des slaloms. Les slaloms qui me permettent d'aller faire du ski de slalom avec des piquets d'entraînement, mais aussi de skier libre, puis d'avoir beaucoup, beaucoup de plaisir sur les surfaces dures. Donc, c'est une émission où on va essayer d'apprivoiser un peu ces skis-là dans la perspective où un jour, vous avez une deuxième paire de skis dans votre sac qui est vraiment faite pour notre glace du Québec. Là, j'ai une balle avec des slaloms, là. Youhou! Arrêtez la voix. Attends. Oui. Il faut que tu m'expliques la passion que t'as, puis qu'est-ce que le plaisir de skier, l'émission, a à voir avec ça. Je dirais, là, c'est un peu comme présentement la saison de football tire à sa fin. Okay. Les amateurs de hockey, quand ils arrivent en série, sont déjà nostalgiques d'arriver en septembre. Ouais. Ben nous autres, c'est la même affaire. Dans le fond, quand la saison de ski finit, on se met à s'entraîner pour la prochaine saison en écoutant des petites capsules du plaisir de skier, en faisant notre cardio. Ça ressemble à ça. Mais là, c'est qui ça, nous autres? Ah, ben là, ça, on appelle ça, c'est le petit cercle intime. Là. On est une petite gang. Là. Combien vous êtes? On est en tout et partout, on a à peu près 7-8. OK. Mais je vous dirais, des plus fervents, là, on est une bonne gang de 4 qui les Fabulous Four. Oui, exactement. Les 4 fantastiques. Ça veut-tu dire que vous faites des voyages à 8 ou à 6 ou à 4? Ben oui. On a été dans les Alpes. On a à Saint-Gervais-les-Bains, mais c'est juste avant Chamonix. C'est la ville avant Chamonix. Puis de là, écoutez, ça a été fou. On a loué 2 voitures, on était 8. On a fait là, Verbier, Zermatt, Chamonix. OK, là, ça allait fabuleux. Les huit, fantastiques. Là, votre prochain voyage, ça va être quoi? Oh, attends, Zermatt et Chamonix? Ben oui. Chamonix. On est allé jusque là-bas. OK. Puis on est revenu. On est allé prendre le petit train pour aller. Dis-moi pas, vous avez passé tout droit Verbier à 8. Là. Non, on est allé à Verbier, mais 2 jours après. Exact, on revenait tout le temps au même chalet. Moi, j'ai une expression pour quelqu'un comme toi quand tu fais ça de même, qui mange, j'appelle ça des fumiers. Ouais. Affectueusement. Puis ça, c'est. Les gens à l'achat vont comprendre, tu sais, qu'on s'appelle entre nous. Ah, t'es allé à Sto, puis il y avait de la poudre. Ah, fumier. Ouais. prochain voyage. Si on parlait du prochain voyage. J'ai manqué celui-là dans l'Ouest canadien à cause des raisons de santé de ma conjointe. Ouais. Donc, moi, j'aimerais beaucoup ça y retourner, mais mon frère me fait beaucoup de pression pour aller au Colorado avant. Fait que ça va probablement... Mais où au Colorado? Faudrait y demander, là, mais... Passe-moi te dire, Colorado, l'usine à ski, Aspen, Breckenridge, tout ça, moi, j'aime moins. OK. Telluride, exceptionnel. T'es comme au fin fond du Far West. On avait été avec Alain, notre caméraman. Silverton au Colorado, si jamais un jour tu veux vraiment sortir des sentiers battus, le transport en commun à partir du vieux village de Cowboy pour aller à la station de ski, il y a une seule chairlift, ça prend absolument un guide parce que quand tu arrives en haut, pour aller skier, il faut que tu montes à pied. OK. Puis le transport en commun, ils ont acheté un autobus de prisonniers. Fait qu'elle passe dans le village, ramasse toutes les skis-bombes, puis embarque ça, amène ça au chairlift. Là, tu montes, puis à 8, pourriez-vous payer une ride en hélico une fois pour faire déposer sur un sommet, là, c'est fabuleux, Silverton au Colorado. Tiens, on va regarder juste un petit peu d'image qu'on a pu faire avec Sandrine, monter à pied l'hélico.
Ici, vous le devinerez, on n'est pas à Whistler. On est à Silverton, Colorado. En pleine ruée vers l'or, Silverton comptait en 1882 400 immeubles, dont 29 saloons, plusieurs hôtels, des bordels et une zone red light célèbre, Blair Street. Aujourd'hui, Silverton compte moins d'immeubles, un saloon qui est fermé, aucun bordel, on le pense, et plus de red light. En 1860, 15 prospecteurs sont venus chercher de l'or dans les montagnes San Juan, alors territoire des Indiens Utes. C'est dans ces montagnes qu'on retrouve la plus inorthodoxe des stations de ski, Silverton Mountain. Pour s'y rendre depuis Durango jusqu'à Silverton, la nuit, en voiture, n'est pas de tout repos. Et le lendemain, c'est en autobus correctionnel qu'on se fait ramasser dans le village pour se rendre à l'opération ski. Je pense qu'on laisse nos skis ici, puis on va aller voir en haut pour les... Nous, parce que ça va nous prendre des ARVA, détecteurs de victimes d'avalanche, appareils de recherche de victimes d'avalanche. On va être prudent, on a un guide de toute façon. Ouais. Des pelles, c'est pour déterrer quelqu'un pris dans une avalanche, c'est des probes ou des sondes, en français, ouais. Pour aller chercher la personne, aller la retrouver avant de creuser, pour pas s'épuiser à creuser pour rien. Bref... On va être équipés. Là, on va être dans un monde où t'es jamais allé, toi. Non. Non, mais c'est vrai, j'ai bien hâte de voir. Est-ce que c'est un non nerveux ou c'est... Non. Fais confiance à la vie, moi. C'est pour ça qu'elle est avec nous autres au plaisir de skier. Allez, on va aller, pour pas perdre trop de temps dans notre journée, chercher nos affaires. Okay, Phil and Sundrin. We're here at the Ropedy ramp area. For this next little part of the boot pack, we're going to be walking on the ridge right up here. You mean all the top up there? Yeah, we'll be just to the right of where we can see there. And as you can see, there's some cornice growth. Yeah. So we're going to want to stay right in the boot pack. Yep. And not venture out or try to look over the edge to the left, right? We don't want to walk out on the cornices. Okay. So right in the boot pack on this next little part. Okay. So we're about 12,600 feet, 4,000 meters, a little Aïe. More than that. Aïe! Yeah. Ça va, Sandrine? Tu pompes pas trop? Ben, plus que d'habitude, mais ça va. Ça va, hein? Ça vaut la peine avec la vue. Oui, c'est ça. Hein? It's worth the view? Oh, it never gets old. Oh. So you've been a guide here for how long, Chris? This is my fourth season working here at Silverton Mountain. And why did you decide of all the places in the world? Because you do guide elsewhere. You told me in Alaska, but why did you decide Silverton? Well, I think, you know, the San Juans are unique. It's a microclimate here in Silverton. We really get a lot more snow here than a lot of other places in Colorado. And the San Juan Mountains are just beautiful, aesthetic, and very fun mountains to be in. And I just kind of have a passion for the Southwest. I grew up in New Mexico, just south of here. So. Merci. Vue détendue, ça faisait lever de la belle neige. Là. Ouais, c'est le fun ça.
Ça va? T'es pas trop... Non, ça va. OK. Le premier, on a fait peur au caméraman, hein. On s'excuse pour les gens, on n'a pas pu filmer, mais j'ai déclenché une espèce de mini-avalanche qui est allée directement sur le caméraman, donc... Et ça arrive. Pardon à Thomas. C'est un métier dangereux. Ouais, dangereux. Travail, hein? Yeah! Nice choice! That's a good line to do. Very good. Good job, you guys. That was fun. Come in, look at that. Good in there. Oh, I think I love you. I think I love you. N'est-ce pas magnifique? Superbe! Avec Sandrine, quand on traîne nos skis, vous allez voir derrière nous. Pourquoi on traîne nos skis? C'est qu'il y a derrière nous un magnifique hélico qui va nous amener. On se fait une descente en hélicoptère. Oui, ils nous ont trouvé une piste qu'on devrait avoir des belles conditions, des conditions de printemps. On a le soleil avec nous encore, que ça devrait être magnifique. De le faire avec vous, mesdames et messieurs, dans un climat parfait comme ça. On nous a promis une belle pente de ski de printemps, en aussi bonne compagnie, avec un aussi bon guide et avec ma bonne amie Sandrine. On ne pouvait pas passer à côté, malgré le fait que ça coûte un petit peu plus cher que d'habitude. I think we have a nice patch of untracked corn snow here below us. Yeah. Take a look, it looks really pretty. Yeah. So that's just as nice as you expected. That's why we trusted your judgment, saying, are we doing it or not doing it? So. Yeah, I know you guys had to trust me, and I'm glad you did, because I think it's going to work out good. All right, man. Thanks. Bon, Martin, pour l'occasion, j'ai même changé de ski. Mes skis plus larges. Je suis passé du Mantra au Chiron, juste par gourmandise. Pour en avoir plus. A tout plus large. Everything I wanted, who would think I'd do for a change? I gotta stop believing in all your lies while my patience is starting to thin. Your empty promises never come true when I stop for all this to end. Because I wanna save the world, just need you here with me. Is that too much to ask from a simple man like me? Je capote. Regarde nos traces. Oh. C'est fou. On est ivre. Ivre de plaisir. Oh. C'est vraiment trop beau. Quel bonheur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre après ça, hein? La barre est haute. Yeah! Silverton, c'est un peu un fantasme parce que c'est très loin. Il faut passer par Albuquerque au Nouveau-Mexique puis arriver par en bas des montagnes. Okay. Quand tu arrives à traverser tout le Colorado, c'est trop long en hiver, ça se peut que ça passe pas. Ton groupe, 8,
Moi, le caméraman, on essaye l'année prochaine Fernie. Oh! Avec deux ou trois jours au Catskill, Island Lake Catskill, le plus bel endroit au monde pour catskier. On met ça sur la table, on essaie de s'organiser, OK? Puis on aura peut-être la chance de faire ça. En attendant, étant donné qu'on a des slaloms, on est loin de Fernie et de la poudreuse du catskill. OK? On va profiter de nos slaloms. Il n'y a pas de glace, c'est magnifique à Saint-Sauveur et il fait pas froid. You got to give up, you must find out what you need. The more you can relax, the easier it goes. Les pentes débutantes, des fois, avec des vrais slaloms, on n'a pas besoin d'aller vite pour apprendre à sentir nos skis, travailler, trois paires de mise à corps. On va peut-être... j'aimerais ça que tu me parles sur le plan technique. Qu'est-ce que tu as le plus de misère à faire pour exploiter tes slaloms, Race Tiger, que tu as acquis cette année? Je te dirais que ce serait plus être agressif avec, parce que c'est un ski que tu peux pas être irrespectueux envers. J'ai essayé à ma première ride quand je les ai eus, là. J'étais énervé, j'ai été à tremblant, puis je me suis lancé comme un fou. Puis les skis, quand j'ai voulu mettre du poids dedans, ça a été comme une suspension. Ils m'ont reprojeté de l'autre côté. J'ai en perte d'équilibre après le virage. J'ai pas tombé, mais après ça, je me suis repris. J'ai été plus respectueux envers elle. En fait, c'est pas que t'es pas respectueux. Je suis sûr que t'es très respectueux pour ton équipement, parce que dans ton métier, tu travailles autour de beaucoup d'électricité, tu sais comment t'as... Tu sais, on donnerait une scie mécanique, tu te couperais pas, je suis sûr. Une moto, tu te tuerais pas, je suis certain. Le ski, t'as pas besoin d'avoir de respect pour lui. Faut juste que tu joues avec ta trampoline. Si tu essaies de sortir de ta trampoline avant que la trampoline remonte, tu vas être en déséquilibre. Si t'es pas centré sur le sweet spot de ton ski, tu vas te faire projeter par la trampoline à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc, c'est une question de timing. Puis je te vois du coin de l'œil, je vais te regarder skier un peu plus, là, tu vas aller en avant de moi. Okay. Mais moi, je pense surtout que tu laisses pas le temps à ton ski de travailler et de revenir avant de changer l'autre bord. T'as vu comment est-ce que je fais beaucoup plus de virages que toi, beaucoup plus complété. Ouais. Parce que je vais travailler mon ski, je l'écrase ma trampoline, puis je suis patient, j'attends qu'il me ramène. Puis malgré ça, je fais 11 mètres de rayon. Très cool. Hein? Si tu dis un slalom, c'est 11, 12, 13. Lui, c'est un SL13. Ouais. Plus tard, avec une meilleure technique, tu vas être capable de raccourcir tes rayons en poussant dessus. Mais c'est un ski où tu dois rider la carre. Le rayon est dans sa carre et non pas dans son flex comme un ski de poudreuse. OK? Fait que je vais te laisser y aller. Profites-en. Prends un petit peu de vitesse. Vas-y, vas-y. OK, Vincent, pendant qu'il y a une motoneige en arrière, mais c'est pas grave. Je remarque que quand tu fais tes virages de ski, de slalom, tu fais plus de serpents que de demi-lunes. C'est-à-dire que tu rentres dans ton virage puis tu commences tout de suite l'autre. Commence tout de suite l'autre. Je vais te demander de faire des ronds, des demi-lunes. Ouais, je vais reculer pour qu'on voit la peau. Là, sur mon panier, là, tu vas faire demi-lune. Tu vois l'énergie qui accumule? Il serait fait à remonter l'autre bord. Là, en ce moment, tu fais juste comme... À ton gabarit et à ton poids, ça, tu ne l'exploites pas comme il faut. J'ai l'impression que si tu joues au golf, tu fais de la slice. Est-ce que tu slices au golf? Je te dirais plus ou moins, mais ça m'arrive. Quand Parce on la force. Quand tu skis, je vais m'éloigner quand on voit tout mon corps. Quand tu skis, tu rentres dans le virage puis ta tête, elle tombe de même. À chaque virage, comme s'il y avait un piqué en géant à l'ancienne. Ta tête, elle tombe. Non, garde ta tête droite parce que quand tu vois, action-réaction. Action. Fait que là, tu es un peu sur... Quand je suis là, je suis sur le ski intérieur. Ça. Garde déjà ta tête droite. Ce qui va te permettre... Je vais aller m'accoter sur toi, tu es assez fort. Ouais. Ce qui va te permettre de venir... Si je suis comme ça, je vais tomber puis je tombe là. Tu comprends-tu? OK. Si je reste droit, je peux aller m'accoter sur toi, là. Tu me pousses contre moi. Pousse, 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 pousse. Tu me sortiras pas de là. Regarde comme ma jambe. Alors que quand j'ai ça, là, pouch.
OK? Là, Vincent, je suis exprès de faire ski de reculons, puis là, je te vois un petit peu inconfortable, mais c'est correct. Fais-moi confiance. OK? Oui, bon. Dans notre émission cette année, on a Laurence Bonneau, Charlin, qui est préparatrice physique et qui fait de la kiné, qui en fait des programmes d'entraînement, qui est kinésiologue. Puis je te regarde skier avec tes slaloms, puis je trouve que tu pourras avoir un petit peu plus d'équilibre. Alors, écoute bien la capsule qui suit, ça va t'aider grandement à améliorer ton ski et à améliorer ton équilibre grâce à ta proprioception. On va aller voir Laurence dans le parc à Saint-Sauveur. Bonjour, c'est Laurence, kinésiologue. La semaine dernière, on a parlé ensemble de la proprioception. En fait, la proprioception, comme j'avais mentionné, ça nous permet, en fait, en la développant, de diminuer nos chances de chute et donc de blessures, puis également bien, de profiter plus de notre journée de ski quand on commence à être un petit peu plus fatigué, mais également quand on avance avec l'âge. Alors, différents accessoires pour pouvoir la travailler. Comme on avait dit, c'est facile d'avoir à la maison soit une planche d'équilibre rigide, demi-sphère en dessous, ou le ballon gonflé de stabilité. Ce que vous pouvez faire directement de la maison, ça peut être dans votre salon, vous prenez un 10-15 minutes par jour. Déjà ça, ce serait extraordinaire pour travailler votre équilibre, votre proprioception. Alors, des exemples. Sur la planche d'équilibre, vous embarquez un pied après l'autre. Soyez bien concentré, essayez juste de vous tenir debout. On engage donc les muscles abdominaux, les stabilisateurs de chevilles, de jambes. On peut serrer les fessiers, serrer les cuisses sur elles-mêmes, comme si quelqu'un les serrait très fort pour vous. On respire et ça glisse. Donc, en essayant de se maintenir en place, on peut aussi également ajouter des petites rotations des membres inférieurs en essayant de bouger le moins possible les épaules. Au début, essayez de faire ça juste en étant bien concentré uniquement sur ce que vous êtes en train de faire. Après ça, niveau difficulté 2, vous pouvez être en train de regarder la télé, d'avoir une certaine distraction. Et 3, vous pouvez également même fermer les yeux et essayer de maintenir la position. Sur le ballon gonflé cette fois, on peut aller à un squat. Donc, plusieurs connaissent déjà le squat, poids dans les talons, comme si on allait s'asseoir loin derrière, garder une stabilité dans les genoux et remonter. On peut se faire avec un pied sur le ballon. En ski, c'est rare qu'on ait la pression égale dans les deux jambes. Donc, un pied un peu moins stable, on va à l'arrière, on s'assoit, on remonte. Faire une dizaine de répétitions d'un côté et ensuite une dizaine de l'autre. Comme je disais tout à l'heure, toujours important d'avoir le poids dans les talons, les fessiers sortis et le tronc bien droit. Alors, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon entraînement avec votre proprioception, ça va grandement aider votre saison. I like to move it, move it. 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 You like to move it, move it. All girls all over the world. Ça me permet un petit commentaire. Là, on a là, sur cette piste-là, tu vois qu'ils ont travaillé, puis là, il y a encore plus de petites balles de golf. C'est plus difficile avec un slalom, là. Je vais regarder que ta position est un petit peu très penchée en avant, mais trop penchée en avant, parce que là, les faufounes sont haut, les faufounes sont en arrière. Fait que t'es un peu comme ça. J'exagère, mais c'est pour que tu comprennes que j'aimerais que tu sois... Ces skis-là ont une particularité vraiment spéciale. C'est que si t'es pas au centre du ski, tu vas avoir beaucoup de misère. Ces skis-là sont faits pour skier au sweet spot du ski. Okay. Alors, si tu accotes trop en avant, tu vas surcharger ta spatule, puis le ski, à la limite, il va rentrer dans la neige molle, puis là, ça va faire boing, ça va te faire catapulter. Ça, c'est pas une question de technique, c'est une question d'être sur le sweet spot du ski. Merci à Bodie Miller, l'Américain qui a gagné. C'est lui qui nous a montré à skier sur le sweet spot du ski, peu importe qu'est-ce que le reste du corps fait. Tu comprends? Alors, remets. Tu veux que t'es comme si tu faisais un squat, là, que tu sois capable de descendre fort et remonter. Et non pas juste absorber le terrain comme beaucoup de monde, comme un canard, tu sais, les canards qui boivent de l'eau, là. C'est pas là qu'on absorbe, c'est là qu'on absorbe. Donc, tu vas te retrouver moins les genoux en avant de tes bottes, plus haut, puis tu vas skier plus fort comme ça. Donc, viens-t'en à ta côté sur moi avec ta hanche. Viens-t'en. Ah, tu vois la tête qui rentre en dedans? Ah. OK. Accote-toi sur moi. Hop. Et là, accote-toi. Tu n'es pas à côté sur moi, là.
OK? Qu'est-ce qu'on voit? Recule, Alain, un petit peu, tu vas voir. C'est ski. Qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? L'intérieur n'est pas à corps. Il est à plat. Ouais. Donc, il va bloquer ton mouvement. Deux choses. Là, tes épaules ne sont pas à même hauteur que ta hanche ici. Normalement, viens à côté ta hanche sur moi et ton épaule aussi sur moi. Viens-t'en. Je vais te tenir, Ah ah! Lève la tête. Lève les épaules un peu, t'es trop penché par en avant, OK? Pousse sur moi. OK? Et rapproche tes skis un de l'autre. Pas trop. OK? Puis là, tu fais des petits sauts. Pousse. Non. Fais pas de petits sauts parce que je sens. Fais juste générer la présence comme ça. Regarde comment t'es fort, là. Pousse plus avec ta hanche sur moi. Vas-y. Aha! Là, il vient de pousser contre moi en allongeant sa jambe. OK? Ton genou intérieur, ton genou extérieur, il est trop vers ta botte. Tu peux le garder en ligne avec ton ski. Oui! Et lève la tête. Là, je vais te demander, je vais m'écrire. Non, reste là. Okay. Lève la tête. Lève les épaules un peu. Viens t'accoter les hanches sur moi. Et allonge tes jambes un peu. Ah ah! Là, garde l'angle que tu vas chercher dans tes skis. Vois-tu? Là, je suis plus capable de te tenir. OK? Je vais faire l'inverse. OK. Là, prépare-toi à résister contre moi. Je vais mettre mon deuxième ski. OK? Là, je m'en vais là. Si j'ai juste mes fesses, je suis pas fort, je suis sur ce ski-là. Je suis pas capable de générer de la puissance. Même lui, il est dans les airs, tu vois? Juste parce que mes épaules sont là. Non. Mes épaules sont là. Je t'en appuie sur mon ski extérieur. À peu près la largeur de mes hanches. Puis mes épaules sont au-dessus de mes hanches. OK? Regarde bien ça, comment je peux pousser. Vois-tu? Là, je pousse juste avec une jambe. Fait que quand je pousse avec les deux hanches, regarde mes skis, comment ils ont de l'angle. Regarde comment ma jambe est grande. Mon genou n'est pas tourné vers la spatule de l'autre ski. Il est en ligne avec mon ski. Là, même dans la canne dehors, glacée, si tu laisses le ski aller au fond de sa trampoline, tu laisses le ski te ramener, tu vas être capable de passer le ski en dessous de toi, donc il pointe vers la forêt, puis de commencer le virage de l'autre côté, puis d'aller commencer ton ski comme ça, puis plus tu vas aller vite, plus ça va être pentu, plus tu vas être capable de rentrer en dedans. Si tu ne rentres pas en dedans, tu n'es pas capable de générer de l'angle, et quand tu es à plat, tu pivotes. C'est ce que tu me disais que tu fais avec tes kendo. Ouais. Ce sont tes deuxièmes skis ou tes premiers skis, et tu skis plus à plat, c'est ça? Exact. Pourquoi? Ben, c'est un ski tout-terrain qui est plus large. Ouais. Fait que forcément, puis quand tu prends un peu de paresse, j'ai remarqué, quand tu as un peu moins d'énergie sur la piste, tu as tendance à mettre ton poids par en arrière. Ouais. Par défaut, en fait, mais je sais que c'est un défaut. Donc, avec ce ski-là, tu peux pas du tout faire ça. Le ski te ramène tout de suite, tu forces beaucoup trop contre le ski. Oui, puis c'est normal que le kendo, tu skis à plat parce qu'il est plus large, il est joueur. Par contre, si ton kendo, tu commences à le mettre plus à corps puis à pousser dessus, lui, il a plus de flex dedans que ce ski-là. Donc, tu vas être capable de le mettre à corps puis d'aller jouer plus quand tu restes sur le groomé puis que c'est très mou. Bien, si tu vas le mettre plus à corps, tu vas avoir un peu le même feeling que là-dessus puis ça va améliorer ton virage sur ce ski-là. OK? Bon. Pas trop de parking, pas trop de discussion en ski, mais t'as vu la différence entre quand t'es bien placé, relève les épaules, pas les fesses qui tombent de même, la tête au-dessus de tes hanches. Sinon, ça, ben lui, il est dans les airs, puis là, ton ski intérieur, là, il est à plat, là. Tu vois, il est à plat, je peux pas le mettre à corps. Si lui, il est pas à corps, lui, il est comme juste 15 degrés à corps. Quand lui, il est à corps, je peux aller 30. Tu comprends? Yeah. And you don't need no makeup, original cute body makeup on mother on your cure. And you don't need no makeup, original cute body makeup on mother. Physically fit, physically fit, physically fit woman, physically fit, physically fit, physically fit woman. Ice cream, fantastic, rich body ocean at the big tight and a woman in ice. Sweet, energetic, rich body ocean at the big tight and a woman in ice. Sweet, fantastic, rich body ocean at the big tight and a woman in ice. Sweet. Quand on parle d'équipement et tout ça, le ski de slalom, Vincent s'est procuré une paire de ski de slalom. Il y a différents niveaux au ski de slalom. Celui que tu as, toi, c'est le grand public avec la plaque de course. Enlève-le, s'il te plaît, on va montrer la différence. On a tous les deux des Race Tiger. Puis le monde, ils disent, ouais, moi, je veux un Race Tiger. Puis dans la discussion qu'on a eue, je t'ai demandé combien tu pesais parce que c'est important, parce que. Celui-là, il a la même plaque de course que le mien. OK? Il y a un Race Tiger qui se vend SL13, même chose que ça,
Ça, c'est la version pro. Puis je te l'ai procuré, je te dis, va ça parce que t'es plus pesant. Quand même un bon gabarit, tu pèses combien? 195, 200. Bon. Si t'avais pris la version régulière, t'aurais pas assez de puissance dedans. Même si ton niveau est peut-être pas encore rendu à ce niveau-là, si t'améliores ton ski, tu n'auras pas assez de ski avec le Race Tiger de base. Donc, j'ai suggéré de prendre la version pro. Dans mon cas, même cosmétique, même couleur. Mais ici, moi, j'ai la version Coupe du Monde, qui est le ski FIS. Puis non seulement ça, mais dans le ski de Coupe du Monde, il y aura trois versions. Version avec deux plaques de titane avec un sidecar différent. Puis là, ça, c'est la version, c'est la première fois que j'embarque sur celui-là, trois plaques de titane. Et c'est la même chose dans toutes les compagnies. Rossignol a ses 3-4 modèles de slalom pour différentes qualités de skieurs ou de poids de skieurs. Parce qu'il y a des femmes en slalom aussi qui ne sont pas pesantes comme des hommes en Coupe du Monde. OK? Donc, ce qui est important, c'est d'être capable d'aller en boutique, de discuter avec les gens, puis trouver la bonne version qui va aller pour vous. Puis pour ça, on va aller en magasin voir une capsule conseil de La Shop. La Shop, La Shop, La Shop. La botte de ski, c'est quelque chose de difficile à vendre, dans le sens que les gens cherchent beaucoup de confort, puis c'est très comprenable. Mais les gens vont souvent dans des grandeurs un peu grandes. Okay. Les problèmes arrivent après. En magasin, il y a ça, les bottes. La botte est un point trop grand. Les gens font « wow, je suis confortable, that's it, passe à la caisse, c'est fini ». Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas un confort instantané. Il y a des milliards de pieds différents sur la planète Terre. Il n'y a pas assez de compagnies de bottes pour fitter tous les pieds. Les gens, ce que je leur explique, l'idéal, c'est vraiment d'avoir une semelle qui stabilise ton pied, de prendre un fit assez serré, tight. Une botte, ça se travaille très bien. Le boot fitting, ça fait partie du processus d'achat d'une botte. Il y a des gens qui me disent « Oui, tu me vends une botte, mais tu me dis que tu vas me la travailler après. C'est pas normal, je devrais avoir une botte qui me fit parfaitement là. » Non, c'est vraiment le contraire. Faire être consciencieux, c'est de choisir le bon modèle pour le type de skieur de poids. Ce qui est très important, c'est la cheville, talon. Ça, là-dessus, je suis très, très, très picky. Faut que ça soit très serré à l'arrière. Le choix d'une botte est toujours en conséquence d'être tight au niveau malléole, cheville. Puis le devant, les bottes, ça travaille quand même bien. Il y a des gens qui ont des pieds larges, mais qui ont une petite cheville. S'ils se font vendre une botte qu'on dit « medium volume », un volume moyen ou un volume grand pour accommoder la largeur du pied, ces gens-là, ils se font pas vendre le bon modèle parce que la cheville arrière est très petite. Fait qu'ils se retrouvent avec une botte volumineuse partout. Fait que la cheville, elle est pas bien prise. Puis les gens en magasin, les liners sont neufs. C'est confortable, tu te sens serré parce qu'il y a quand même du matériel. Mais après un mois de ski, tu peux perdre 2 mm tout autour du chausson de la botte de ski. Fait que c'est vraiment important d'analyser le pied, vraiment la cheville, comment qu'elle est grosse pour choisir le modèle de la botte. En avant, c'est moins problématique parce que des bottes, ça se travaille super bien pour le devant. Fait que ça, c'est mon petit côté par rapport aux grandeurs de botte puis au fit. La Shop, La Shop, La Shop. Il y a une chose que les gens vont avoir un avantage à faire quand ils mettent une nouvelle paire de skis sur eux autres. Pour Vincent, là, c'est de venir dans la pente débutante pour sentir des sensations, puis pour travailler son ski, puis être capable de doser sa mise à corps en fonction du terrain. Paul, dans ses leçons, nous a tout le temps demandé de s'adapter au terrain. Donc, dans la pente débutante, on prend un peu de vitesse, puis on commence à faire nos exercices, et de compléter nos virages. Et en même temps, d'avoir du fun. Viens-t'en, Vincent! Viens-t'en! Fais attention, petit. Tu vois comment je complète? Je complète. Vas-y, tourne, 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 tourne. Là, tu commences. Oui, vas-y, tourne. OK, on... Ouais! Allez, allez! Allez, allez! Tourne-le, tourne-le! Déjà! Déjà, je te vois plus patient. Déjà, ça te permet, ça pente pas à pic, de mettre plus d'angle dans ton ski. Par contre, ce que je vois, puis quand on va voir sur les images, tu vas te capoter. Si Alain descend un peu plus bas, regarde bien ce que tu fais. Quand tu fais ton virage, puis tu vas aller par là-bas, hein, bien, tes skis se retrouvent comme ça! Avec un angle, là, écoute, on pourrait passer un autobus ici, là, entre tes deux bottes. Et là, ça, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que quand t'es comme ça, tes hanches, ils sont forcément par là-bas. Plus, tu sais, j'ai d'écart, là, je pars là. Regarde qu'est-ce qui arrive à ce ski-là, il change même d'angle.
serpent, il est rendu là, qu'il pointe trop. Fait que là, lui, il va revenir à plat, puis il va se détendre. Fait que tu vas être obligé de faire ce que j'appelle le pas de patineur. Le monde, ils s'en vont, puis ils sont tellement comme ça que là, il se passe plus rien en bas. Fait que là, il embarque sur lui. Non. OK, d'abord, tu vas ramener tes bottes ensemble. Ça, c'est normal, parce qu'imagine celui qui court aux 400 mètres à l'extérieur du corridor, là. Il y a une trajectoire plus longue à faire. Donc, lui, quand il part au départ de la course, celui qui est en dehors, il part en avant de celui qui part ici pour que ça soit équitable pour tout le monde. Oublie pas que lui, il a plus de distance à parcourir et son rayon est plus long. Donc, tu vas l'avancer. Oh! Je veux que tu l'avances. Parce que tu ne pourras pas faire de mise à corps si ton pied est là. Regarde, je suis forcément obligé de faire ça. Plus j'ouvre, plus je viens à plat. OK? Tout ce qu'on fait là, tu le mets dans un petit calepin de notes. Tu dis, oups, tu te fais un petit dessin. Les pieds égaux, parce que quand je suis trop grand de même, ça ouvre les hanches par en bas, puis je veux m'en aller là. C'est impossible d'aller par là quand mes hanches sont par là-bas. Fait que qu'est-ce qui arrive? Les gens sont comme ça, puis ça tourne plus. Ils embarquent sur le ski intérieur, mais aussi, ils vont tricher avec les épaules. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Là, ça tourne plus rien pour toi. C'est un sport de pied, ça se passe en bas. OK? Là, tu vas te demander de te concentrer à compléter tes virages, puis à t'assurer que ton ski extérieur, il avance. Tu le pousses avec ton talon. OK? Vas-y. OK, alors, ça va être un peu compliqué au niveau de ton équilibre au début, mais donne-moi un peu... C'est pas naturel, là, au début. Oui, parce qu'il faut faire 8000 fois quelque chose pour améliorer un geste biomécanique. Mais je le sens. OK. En même temps, la plupart des gens, quand ils embarquent sur un ski de course, ou un ski de slalom, un ski performance, un ski de géant, ils font la même chose les deux pieds. C'est pour ça que ça décale comme ça, parce que le rayon en dedans est plus court, la distance, la trajectoire est plus courte, fait que là, c'est sûr que lui, il n'arrive pas à rattraper l'autre. Alors, ce que tu vas faire... c'est que les deux pieds vont faire deux choses différentes. Lui sur le talon pour l'accélérer. Tu vois, mon geste de bras, il est accéléré. Et lui, tu vas écraser les orteils. Okay. Fait que tu vas faire comme un snowboarder, puis tu vas être plus en équilibre comme ça que d'essayer d'aller sur les deux talons. Parce que si tu es sur les deux talons en même temps, lui, il va avoir encore, il va aller en avant. OK? Right. Extérieur sur le talon, intérieur sur l'orteil. Ça va te permettre d'être beaucoup plus à l'aise sur deux pieds, lui comme ça, tu vois? Donc, lui, il va rattraper, puis lui, il va lui donner son rayon plus court pour pas que les skis se cognent. Ça va te permettre de dégager tes genoux. Quand tes genoux sont dégagés, bien là, t'es pas pogné comme ça en A. Puis là, tu peux quand même mettre d'angle plus que ça, sans forcer, tu sais. Donc, lui sur l'orteil, lui sur le talon. Cool. OK? Puis là, c'est ce passage-là. Wong, 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 qui va faire que tu vas être plus lousse. Les hanches vont se dégager, le haut du corps va se retourner plus droit. Tu vas être au sweet spot de ton ski. Dans un an. OK. OK? Là, si on laisse faire un peu de côté la technique, là. Ouais. J'aimerais que tu me parles de ton fun de ski, il est venu de où? Oh, l'impulsion de base. C'est les parents, c'est le papa, la maman, mais moi. J'ai un seul frère. Mon frère, il a 9 ans de plus que moi. 8 ans et demi, pour être plus précis, pour pas le fâcher. Ouais. Puis, dans le fond, toute ma vie, j'ai singé sur mon frère. Là, si j'ai pas eu le choix. Là. J'ai écouté la même musique. J'ai aimé les mêmes affaires. Quelle musique? Oh mon Dieu, Metallica. Guns N' Roses, c'est un de leurs groupes fétiches. Motley Crue, j'ai été voir ça en show avec eux. Mais tu sais, au fait, mon frère a été un frère, un père puis un ami. Uh-huh. Puis aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, c'est un de mes plus grands chums. Puis, ouais. On se suit puis on a du fun comme la ronde en foie. Bien, c'est souvent ça, le ski, hein? C'est une question de famille puis d'amis. On dit tout le temps, une famille qui skie, c'est une famille unie. Ça, c'est vraiment cool. Puis je suis content de voir que, tu sais, quand t'en parles déjà, tu serais une fille, t'aurais des larmes aux yeux, là. Oh, ouais, sûrement, sûrement. Parce qu'à un moment donné, on a demandé à Sandrine Étier, il dit, pourquoi t'aimes ça de même, le ski? Il y a une larme qui était instantanément qui est sortie, puis ça fait ça, le ski, dans le lit. Okay.
Tu vas sûrement voir qu'il y a une phase où est-ce que toi, tu vas pas trop loin, tu sais. Ouais, j'étais pas capable de suivre, de le faire aussi quick que toi. Faut que tu te serves de ton, un peu de ton fémur pour tourner plus. Mais dès que tu me parles de pousser sur mon talon extérieur, ouais. Je le sens tout de suite, le ski, il part, il veut être rapide, puis il veut aller manger à la piste, je le sens immédiatement, là, c'est... Bon, mais quand tu vas aller sur ton talon sur le ski extérieur, puis quand en plus tu vas être sur le talon à angle... Ouais. Imagine comment d'énergie tu vas recevoir. Regarde là, je suis bien de même. En fait, c'est même, je suis pas assez souple d'ici. Il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui me reprochent de skier beaucoup comme ça. OK. Ils ont raison, mais c'est parce que je manque de souplesse ici, puis j'étais un peu paresseux. J'aime ça que, tu sais, I like to move it. J'ai l'impression que je danse, tu sais, quand ça, ça vient de d'autres sports ou d'autres. Tu sais, d'être trop plancé, plat. Oui, mes bras se promènent. J'ai du fun, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est l'objectif. Fait que, on est parti sur un bon projet, puis en plus, c'est pas plate. Dans tous nos voyages, on fait souvent des chroniques sur des accessoires, sur des sacs à ski à roulettes. T'sais, pratique, pratique, pratique. Mais il y a une affaire qu'on n'a jamais parlé. C'est l'idée de ne pas mettre ses skis dans la voiture pour protéger les passagers. Quand j'en vois qu'ils mettent des skis entre les bancs des enfants, là. C'est pas que le risque est très, très élevé d'avoir un accident. Puis que... Mais si jamais il y a un accident grave, puis que les skis vont blesser, couper les... Moi, je trouve ça trop dangereux. Puis c'est... La solution d'avoir une boîte sur le toit, d'abord, ça crée beaucoup plus de confort dans la voiture. On peut embarquer un troisième ami en arrière parmi les enfants. Ici, là, j'ai un modèle Thule, le Hyper XL, qui, quand je fais mes ski tests, je suis capable de mettre là, 6, 7, 8 paires de skis dedans. Ce que je fais aussi, c'est que je mets tous les bâtons dedans. Les bâtons de ski, même si on a un station wagon ou un SUV, ça rentre pas dans la valise. C'est tout le temps en travers, puis là, ça empêche de bien stocker les sacs. Fait que, pour moi, un skieur qui... à moins qu'il soit tout le temps tout seul dans son auto, là, ça lui prend une boîte. D'abord, c'est éternel. Ça se brisera pas, ça s'enlève au printemps, tu la mets dans le garage au plafond. Tu pars en vacances l'été, tu t'en sers à mettre les sacs dedans, ça rend la voiture beaucoup plus confortable, le volume de cette affaire-là. Il y en a des plus grosses, il y en a des plus longues, il y en a des plus hautes. Dans ce cas-ci, pour moi, c'est parfait. Puis regardez même, si vous approchez ici, j'ai une lumière même dans... C'est une lumière à batterie qui va m'éclairer le soir. Quand... Je veux dire, ça, c'est vraiment un petit côté luxe, là. Mais ça, chez Thule, c'est eux qui ont inventé le concept, là. Après, c'est sécuritaire, tu barres ça. La boîte, après, est barrée sur le toit. Puis, si on s'en va, on aime toujours l'après-ski, comme on l'a toujours aimé. Mais tu vas à l'après-ski, tu mets les skis là-dedans. Quand tu vois quelqu'un dans le stationnement en train de bisouner une serrure avec un marteau, sans un préposé de la station, là, tu peux te poser des questions et dire « Hey, champion, qu'est-ce que tu fais là? » Donc, c'est, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu laisses les skis dans l'auto, tu te fais défoncer l'auto. Bref, une boîte, un investissement pour 10 ans, ça coûte entre 500 et 1100 $ mais vous répartissez ça sur 10 ans, 11 ans, 15 ans, les gens qui font attention à leur affaire, ça peut être un très bon investissement. T'as vu, Vincent? En haut, il y avait tout le groupe qui faisait des étirements statiques. Il ne faut pas faire ça. Tu m'as déraillé ça avant de monter. Puis là, t'as les gens qui s'occupent de 40 enfants puis leur font faire des étirements statiques. Quand tu fais une split, quand tu fais ça comme ça, on en a parlé avec Laurence, tu viens de perdre 28-30 % de ta force. À froid, tu ne dois pas faire des étirements. Tu vas faire des étirements à la fin de ta journée. Tu fais un échauffement, tu ne fais pas un étirement. Bon, là, tu me disais quoi à propos de... Quand tu regardes l'émission, qu'est-ce que tu vois que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu me disais? Bien, le but en regardant l'émission, tu sais, c'est sûr, on check la technique à Philippe Junot pour essayer de s'améliorer. Puis ce qu'on a remarqué souvent, c'est que ce qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes, c'est que tu es capable de faire une bonne prise de corps à basse vitesse. Ce qui, quand nous, on l'essaye, on a l'impression qu'on va tomber par terre parce que là, on se penche puis notre équilibre n'est pas bonne. Donc, c'est tout de suite. Je vais te parler de mon analogie avec la planche à voile, puis ça fait 2-3 fois que je l'ai dit cette année dans l'émission. Je passe plus de temps en planche à voile quand ils ne vendent pas que quand ils vendent à 40 nœuds. Pourquoi? J'embarque sur une grosse voile, une grosse planche, puis si je suis capable de le faire décoller au planning, une fois! Tu comprends-tu? Alors, en ski, comme garde bien derrière, il y a quelqu'un qui va passer, si Alain peut juste se tourner.
regarde les gens travailler leur ski à basse vitesse, faire des virages. Dans une pente débutante, je passe plus de temps dans la pente débutante que dans la pente expert. Parce que j'essaie de gauger mon ski, j'essaie de mettre juste ce qu'il faut pour le tourner, de comprendre où est mon équilibre. Ma run d'échauffement avant d'aller dans un parcours de course le matin, ou quand je vais faire 100% course à Tremblant, c'est à midi qu'on s'inscrit, la course est à 1h. Entre midi et 1h, je vais dans la pente débutante. J'ai pas besoin d'aller dans la pente, dans le mur, puis tout ça, pour être capable de sentir mes skis. Fait que ce que tu vois à la télé, dans mon ski, vient du fait que je fais du ski sans aller dans la pente tout le temps experte. Je vais dans la pente débutante. Puis je vais t'inviter à faire la même affaire. Puis débutante, là, tu vas dans un intermédiaire. À Tremblant, tu vas dans la Nansen, tout de haut en bas dans la Nansen, là. Et si t'as pas compris, rendu en bas, va falloir que tu y retournes, tu sais. Après ça, tu vas dans Beauvallon. Tu vas pas dans Canard, tu vas dans Beauvallon. Tu augmentes ton niveau, tu reviens dans la pente débutante. Là, après, tu vas dans Mekela. Oups, ça va trop vite. Arrête! Replace-toi, repars, puis tu sais, c'est ça mon truc. Après, c'est sûr, j'ai la chance d'être exposé à des maîtres dans le monde du ski, que ce soit Paul Ouellet qui me regarde skier, que ce soit Jean Maillé, que ce soit Marc Chablon en Suisse, puis je peux te dire qu'en slalom géant, je me considère comme étant pas rapide et pas bon. J'ai beaucoup de chemin à faire plus en géant qu'en slalom. Mais c'est pas grave, j'ai cette chance-là. Puis tant mieux si tu peux voir ça à la caméra, mais tu comprends un peu plus comment j'arrive à faire ça. C'est qu'en même temps, c'est mon métier. Oui, tout à fait. OK? Mais toi, en faisant la même chose, en descendant ton niveau de vitesse, hein, tu vas maîtriser plus toutes tes bottes, tes skis, tu vas placer ton équilibre, puis tranquillement, tu vas être capable de monter ton niveau. Puis moi, je suis sûr, dans 2 ans, on va skier ensemble, puis on va dire « Wouah! » OK? Puis tu peux venir prendre des cours privés avec moi, parce que je donne souvent des cours en privé en m'écrivant sur Facebook. Prenez rendez-vous, on passe 1 heure ensemble, des fois 2 heures, c'est un maximum après la personne a mal à la tête. Hein? Puis, ben venez-vous en grand nombre, parce que ça me fait plaisir. Un à la fois, ou une à la fois. Puis que ce soit un expert, une jeune qui est dans l'équipe du Québec, ou une madame qui n'a jamais skié, qui veut faire du ski, quelque chose qui est une corvée, puis que ça devienne un loisir, c'est ça qui me fait le plus plaisir. Quand elle a terminé sa leçon, elle dit « Ah, wow, c'est bien facile. » Skier, c'est se déplacer sans effort. Et bien, on va aller skier. Move it, move it, move it. Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body make a man mad. Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body make a man mad. Eyeliner, but your face a big man mad up. Nose powder, but your face a big man mad up. Like your eyebrow, but your face a big man mad up. Got your lipstick, but your face a big man mad up. Woman, you nice bright face, and you nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, you're nice and you don't get thick. Vincent, hein? Il prend beaucoup de vitesse avec ses race tires, je trouve, pour être dans la bande débutante. Ah! Oh. Ouais, ben ça, c'est un beau moment de ski, ça. Hein? Vincent? Je te remercie beaucoup de l'invitation, Phil. Ben, tu sais, on fait ça, là, on fait beaucoup plus d'émissions dans les Basses-Laurentides pour toutes les questions budgétaires, mais aussi parce que ça nous permet d'amener du monde dans l'émission qui sont des fans de ski. Puis moi, sérieusement, j'ai passé un bon moment ce matin. J'espère qu'on va skier ensemble à Tremblant. Quand tu auras tes kendo et qu'on aura 2-3 pieds de neige. tu retiens quoi l'expérience? J'ai un calepin de notes rempli. Ouais, ok. Améliorer la technique. Ouais. Mais surtout, une belle journée, une belle expérience avec toi aujourd'hui devant la caméra qui était une première pour moi. Ça paraissait pas. Ben, je te remercie beaucoup. Menteur. Non, mais c'est normal. T'es un petit peu intimidé par ça. Puis c'est un environnement difficile à contrôler. Mais... Puis tu peux comprendre aussi la complexité de ce que c'est comme travail que de faire une émission de ski. Là, on est sur une piste très facile à contrôler pour nous. Imagine quand on s'en va hors piste, puis qu'il y a des crevasses, puis des risques d'avalanche, puis que le guide, puis là, puis le caméraman, il est bon, il est bon à ski, mais il n'y a pas de bâton, tu sais. C'est toute une expérience. Écoute, moi, ce que j'espère, c'est que tu vas progresser dans ton ski de slalom, tu vas progresser dans ton ski avec tes skis plus larges,
qu'avec ta gang de chums, vous allez pouvoir faire un voyage l'année prochaine. On reste en contact. On se dit Fernie avec un peu de Katski. Pourquoi pas? Ouais. OK. Alors, en terminant, je vous invite à m'écrire plaisir de skier sur facebook.com/leplaisirdeskier. L'adresse apparaît au bas de l'écran. Mettez-vous membre de la communauté. Ça nous permet de vous envoyer des petites affaires, des messages, des ski tests, des bouts d'émissions, des capsules conseils. Hein? Et puis, Vincent, profite de tes Race Tiger. On se retrouve une prochaine fois. Merci beaucoup.